Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Immortals Phoenix Rising sur Fabrice Flaming. Et il y a eu un retour menu des plus vénères sur le jeu. Il va se passer qu'on va reprendre. J'espère que ça va pas revenir là où on était. Mais je vais essayer de retourner. Et puis sinon, bah, s'il veut pas, il veut pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, ça a craché. Ça a craché vénère. J'espère que ça n'a pas foutu en l'air la sauvegarde. Surtout pas. Heureusement, j'ai fait des sauvegardes avant. Mais ça a sauvegardé dedans. Super. Chemin d'Acanthe. Ah, j'ai eu peur. Donc le chemin d'Acanthe, c'est un truc avec des... Avec ce genre de truc, ok. C'est un truc de d'Hercule. Aïe. Ah, pique au cul. Alors. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire. Dans ce genre de truc, on peut pas sauvegarder. Ok, pas de problème. Ah bah génial. Je crois que j'ai compris. Pardon.
Ok, ça c'est bon. Ah bah d'accord, ouais, ok. Bravo. À vouloir tout faire trop vite. Ah bah évidemment, alors attends. Ah bah une sur la même personne qui arrive. Et on va attendre. La problématique là, c'est qu'il faut attendre qu'ils soient en dessous. J'ai trop attendu. Et surtout, j'ai visé comme une... Ouais, c'est vraiment là où il faut avoir de la patience en fait. Oula, juste faire gaffe. Oula, il est pas, t'es pas stable.
Ah bon, on peut se foutre là-dessus, c'est bien. Ah, c'est qu'en plus c'est fait pour, parce qu'il s'arrête à ce moment-là, d'accord. Donc, ouais, donc tout à l'heure on a eu un retour menu et j'ai dû reprendre derrière. Ambroisie encore une fois. Ça c'était fait. Donc on a une constellation à faire ici. Quoi? Attends, il y a encore un coffre à l'intérieur? Parce que sinon les deux cyclopes seraient morts. C'est pour ça qu'ils sont toujours en vie, ces deux cons. Alors. Donc on continue. Ah mais il est là-haut le machin, d'accord. Ah mais j'ai une idée, alors attends. Alors, ça devrait marcher ça. Ok. Ah
Ok, donc ça devrait marcher. Casque de flamme du Tartare, yes, alors du coup. Putain, j'ai tellement de trucs. Les feux émergents dessous ce couvre-chef n'offrent aucune chaleur, mais une vengeance brûlante frappera ceux qui s'en prendront aux guerriers qui la portent, ok. Non, bah du coup, ah d'accord, bah donc je vais devoir continuer jusqu'au bout, ok. Ok, du coup, là on va simplement attendre, on va le faire intelligemment, ce sera mieux. Merde! Eh vas-y, j'ai dit intelligemment, mais je me pète la gueule.
Ah bah Nick. Voilà, c'est fait. Une fois que tu comprends comment le faire, bah, ça passe tout seul. Et maintenant, c'est fermé. Voilà. Et go pour une pause pipi. Malheureusement, j'ai de nouveau besoin d'y aller. Ce soir, je sais pas, j'ai froid, j'ai besoin de pisser souvent. Je suis désolé, j'arrive tout de suite, hein. Alors voilà, je vais faire un truc vite fait, que ce soit fait avant que j'oublie. Exportation, ça c'est bon. Ensuite accueil. Vous êtes live, ouais, super, je suis live. Alors, tac. Ça c'est bon, on peut y aller. Alors, du coup, maintenant il y avait une constellation à faire quelque part, par là-bas. Alors j'espère que j'aurai pas un retour menu durant la quête principale, parce que sinon ça va me faire chier, mais bon pour le moment on finit ce qu'il y a à finir.
Oh, vous m'emmerdez. Oh, trop génial, dis donc. Bon, bah, j'arrive, les filles. Alors. Alors ça représente un nounours, ok. En fin de compte, qui a transformé Callisto en ours? Hera, Artemis ou toi? En gros, toutes celles et tous ceux qui couchent avec moi terminent avec une vie lamentable, sur le long terme. Parce que sur le moment, c'est le feu d'artifice. Tout le monde est content, tu peux me croire. Merci pour cette information. Ok, donc ensuite. Toutes les constellations sont faites. Grande lyre, c'est fait. Déplacement. Ça c'est fait. Le second défi déplacement. C'est à côté du coffre nocturne. Déplacement. Ok, donc ça c'est bon. Donc laisse-moi deviner. Bah, je l'avais déjà fait celui-là. Donc c'est tout fait.
Ulysse, il y en avait combien? Il y en avait un, il n'y en avait qu'un seul et je l'avais fait. Il me restait des fresques. Combien il y en avait? Il y en avait deux. Et je ne les ai pas faites, celles-là. Alors, il y en a un. Oh, qui se trouve là. Et après, j'aurais terminé. Alors, du coup, défi de fresque 2. Potion là. Et ces défis fresque là. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai terminé du coup. Il ne reste plus que les deux à faire. Et puis après, j'aurais terminé. Deux secondes. Je sais pas trop, parce que je vois mal le truc en fait. Celui-là, il va au fond. Thank you.
Voilà. Et ça représente quoi en fait? J'ai pas compris. Ah mais c'est pas un Chronos qui recrache les enfants? On ne le dira jamais assez, tu t'es quand même déguisé et tu as tout risqué pour faire ingérer à Chronos une potion pour qu'il vomisse tes frères et tes sœurs. Si je les ai sauvés, c'est parce que je voulais pas être tout seul. En même temps, c'est un motif comme un autre pour pas être abandonné. Hein. Ça, c'est pas trop égoïste. Du coup... Trône de Zeus. Je vais pas me taper tout le chemin parce qu'il y a des parties, c'est la merde. Et c'est rempli de glace gelée. C'est ultra chiant à éviter. Alors, du coup... Oh, ah oui, putain, je suis con. Alors, attends. Ah, mais vas-y, tu plaisantes. C'est bon, ensuite. Ça, par contre, je sais juste de comprendre.
Mais je suis à ski là. Pas l'Icaon. Ce type a essayé de me faire manger de la chair humaine. Alors je l'ai transformé en loup et j'ai tué ses 49 fils. J'ai fait pas mal de saloperies, mais le cannibalisme, non. En revanche, le meurtre et l'inceste ne t'ont jamais gêné. La vie, c'est des priorités. J'ai oublié de mettre J'ai oublié de mettre le... Le micro. Donc ouais, 4 km en tout. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, vu de tout en haut. Franchement, ça déchire, je trouve. Allez, c'est parti. On se balade tranquillou. Faire juste atteindre le truc avant de me péter la gueule.
Franchement, c'est pas mal d'arriver à voler jusque-là. Bon, en même temps, heureusement, j'ai les moins 9% de dépenses d'énergie, sinon ce serait un petit peu la merde pour aller jusque-là. Bon, bah, je pense que je vais pas y arriver. Si j'avais pas plané, je pense que j'y serais peut-être arrivé. Je vais m'occuper de toi. Les gens, sérieusement. Voilà, maintenant on peut monter tranquillement. Maintenant qu'on y est, on va simplement sauvegarder. J'en suis à 79 heures. Bon, 80 heures de jeu, quoi. Alors, du coup, on va améliorer les potions. On va tout améliorer. On va faire le plein. Oula, oui. Et on va améliorer le truc. Donc on a 65 petites ambres dorées. Donc on peut faire plus 2 secondes à la durée des potions de buff. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Plus 6. Et c'est tout. Ça, j'ai fait passer parce que ça sert à rien. Donc ici je peux faire maîtrise des armes, tac, on peut l'améliorer.
Voilà, du coup, ce qui fait que mon arme, elle fait 53% de dégâts, 25 avec combo à l'épée lorsque la santé est complète. Reconstitution de 115% d'un fragment de santé lors d'une esquive parfaite. C'est l'épée que j'utilise en fait. Pour ça, 53% seul. 53,25% de dégâts avec combo à la hache lorsque la santé est complète. Avec reconstitution de 175% d'un fragment de santé lors d'une parade parfaite. Yes. 53,25% de dégâts avec tir à l'arc lorsque la santé est complète. Reconstitution de 115% d'un fragment de santé lors d'un tir dans la tête. Yes. 12% de dégâts par niveau de combo. Donc tous les 10 combos, c'est 12% de dégâts en plus. 18% d'étourdissement par niveau de combo. Donc c'est 18% d'étourdissement en plus tous les 10 combos. Et là, c'est pareil. Reconstitution de 128% d'un fragment de santé en cas d'atteinte d'un nouveau niveau de combo. Reconstitution de 120% d'un fragment d'énergie en cas d'atteinte d'un nouveau niveau de combo. Donc je suis overcheaté sa mère. Et encore, il y a tout le reste après. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches. Donc, nous arrivons au niveau 14% 78 à la défense. 17,72. 20,67. 23,68. Et 25,89. Bon, je vous dis que c'est overshit. Alors, du coup. Donc là, c'est 3 par 3, 3, 6. Moins 14% du coup. Et moins 15% de consommation d'énergie au fil du temps. Ensuite, 14% 78 de dégâts avec les compétences, 17,72, voilà, ensuite, 20,67 de dégâts avec pouvoir divin, 23,28, 20,67, 23,28 pour les compétences normales, 25,89, 31,11, c'est important je trouve là. Donc 28,5% de dégâts au pouvoir avec pouvoir divin. Donc c'est plus, c'est des dégâts plus. Et là plus 23,28% de dégâts avec les compétences, c'est overcheaté. Dès que vous avez toutes les compétences, vous n'avez pas besoin de plus en fait. Ici, j'ai absolument tout fait. Donc, récompense. Oh, on a encore plus de récompenses. Envoyons aux enfers tous les méchants aux arènes des cryptes du Tartare. Enfin, cognez-leur dessus pour qu'ils soient encore plus morts. 4560 d'adamant bleu et une armure d'or. Encore une armure d'or. Bien joué, vous avez trouvé tous les coffres de l'île de la nuit. Mais pourrez-vous les trouver tous? J'espère que vous avez mangé assez de carottes. En traversant la mer à la recherche de l'île d'or, Dédale se servit des constellations pour se guider. Les étoiles brillent de la lumière de l'Olympe qu'il n'est pas nécessaire d'économiser.
Il peint que 12 travaux. Ornithologie. D'ailleurs, j'ai tous les trucs de l'oiseau. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-moi. Armure d'argent sacré, ok. Casque d'argent sacré. Légendaire épée de vainqueur. Mythique épée de vainqueur. Phosphore fondu. Poudre de Zeus. Ambre dorée. Ah bah je peux encore augmenter là. Alors du coup, tac. Bon, ça m'augmente pas énormément, mais bon, ça fait quand même pas mal de bonus. Passer hein, vite fait, du coup je peux encore faire pour le pour là. Si tu veux acheter... Donc je suis à moins 16 à moins 16% de consommation d'énergie au fil du temps, mais c'est putain d'overcheaté sa mère hein, le truc. Du coup, bonus. Plus 7 secondes à la durée des potions de buff. Rébus les épées vainqueurs. On a jadis parlé... d'une lame enchantée par des pouvoirs venus d'ailleurs. S'agirait-il de cette épée? Légendaire épée de vainqueur. Fuir la forge brûla jamais dans le métal de cette lame. Elle frappe l'ennemi avec autant d'effet que la foudre fendant un tronc d'arbre. Mythique épée de vainqueur, l'image que reflète cette lame étincelante est celle d'une légende aguerrie. Vous. C'est vrai que l'épée est pas mal, donc je vais la garder comme ça. Déclenchement d'attaque de phosphore en cas d'atteinte par attaque discrète. Ouh, pas mal. Je vais garder celui-là. Ah oui, et puis j'avais... casque de providence divine. Allez au temple, demander la faveur des dieux avec un peu de chance. Ils béniront vos aventures. Armure de providence divine, il est clair que les dieux sont avides d'intervenir, espérant que cette armure, fruit de leur effort, est robuste. Non mais en rouge, c'est pas trop ma cam, je vous avouerai. La doublure en argent de cette armure ouvragée a été bénie par des oracles de jadis. On ignore quelle tête sacrée. Alors attendez. Comme ça c'est pas mal. Hop là. On ignore quelle tête sacrée ont porté ce casque, mais son porteur sera en bonne compagnie. Ok, bah, je préfère en or comme ça. Parce que faut m'excuser, mais en rouge, c'est pas mon délire. Mais je préfère comme ça carrément. Et voilà, maintenant je suis en train de me décider pour du rouge, je suis pas sûr de moi. Hmm.
Ça fait Phénix Ardent. Et vu l'épée que j'ai choisi. Du coup, il y avait les fragments fondus et les fragments de machin là. Donc normalement, j'étais censé aller là quand j'avais tous les fragments et quand j'avais terminé toutes les épreuves. Ouais, je les ai toujours, donc non? Alors attends. Ah, je comprends pas. Attendez, ah mais en fait c'est ça? Attends mais je comprends pas. Ah oh, bordel de merde, alors attendez. Vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête. Je vais regarder sur le soleil. Avant je vais pisser. Je suis désolé mais il fait froid et j'ai tendance à aller beaucoup aux toilettes, donc j'arrive tout de suite. Hein.
Bon, on va prendre donc. D'accord, ok, merci jeuxvideo.com encore une fois, parce que grâce à ce forum, j'ai pu découvrir qu'en fait, les fragments, ça sert juste pour les skins qu'on a vus tout à l'heure. Ok, donc c'est juste pour les skins que je vous ai fait voir pour l'armure. Et l'armure suprême, bah, c'est cette fameuse armure de comment ça s'appelle de l'armure. En fait, ils appellent ça armure suprême sur le net, mais en fait, c'est l'armure mythique qu'on a sur le dos. Bah, c'est celle qui justement qu'on a avec plusieurs skins en fait. C'est juste deux skins, c'est juste deux skins différents. C'est con, hein? Donc le fragment fondu, je suppose que c'est l'armure rouge, ce qui est le cas, et l'autre en argent, bah, ça doit être les trucs de la lune. C'est sûr, je vérifie ça cette description-là. Mais c'est un peu chiant, hein, parce que tu te dis, ouais, mais on fait comment pour les forger? Parce que moi, ça me disait à un moment donné qu'il fallait aller à la forge des Phaistos. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Toi, viens par là, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu ce vends? sera, Phoenix? Ah, tu vends de la merde, tu vends des pièces de charron dont je me bats les couilles. Bah, on va s'arrêter là. Hein. Puis on va reprendre dans 2 minutes pour faire la fin, la vraie fin. Donc, je vais m'arrêter là, puis comme ça, au moins, on aura terminé les trucs secondaires. Donc pour les gens de YouTube, la dernière vidéo, bah, elle a planté parce qu'il y a eu un retour menu très violent. Ça n'arrivera pas pour la prochaine vidéo. Hein. Enfin, en tout cas, on croise des doigts. Donc pour les gens de YouTube, pouce en l'air, salut YouTube, pouce en l'air, ça vous plaît, abonnez-vous, ça vous plaît. Pour les gens de Twitch, follow si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fabricio Gaming. Et pour celles et ceux qui seront encore avec moi, on se retrouve d'ici quelques minutes pour un nouveau live. Des derniers lives sur Immortals Fenyx Rising pour l'histoire principale, et après ce sera les DLC. Là, on va terminer la quête principale. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, bisous, merci d'avoir été là.